cette opération. Et c'est Yves Vénérulier du club d'Avrillé qui contient maintenant la deuxième position. Et Jeanne Cugnot est présente à la troisième place. Allez, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer maintenant à mi-parcours. Là, la quatrième position est complétée par Agnès Lumino. Mais devant, devant, eh c'est le club de Palette avec Agathe Molino qui va aller chercher une victoire ici à Changé pour cette deuxième épreuve de la Coupe régionale 2012 avec en deuxième position.